Ouais, il a l'air beau. Du chemin ou quoi? Ah oui, effectivement. Ouais, donc là, il y a ce bouc là qui est sur la falaise, il y a l'autre qui est sur le côté. Quelques bouquetins. Après, des bouquetins partout. Il y en a au moins 3, il y en a 4. Là, le gros qui traverse. Mmh. Nous, on va monter là au-dessus. Et après, on va se décaler, on va aller voir les boucs. Ils sont gros, ils sont beaux. Mais il y a du trafic. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, celui sur la falaise, il a l'air beau. Hein. Jolie boucle. Ça peut valoir le coup. Après, il n'est pas simple à approcher. Pour vous expliquer, les différents chamois qu'on a vus au-dessus de nous, ils sont montés dans les falaises. Donc là, on attend qu'ils ressortent. Je pense qu'ils vont revenir un petit peu sur leurs pas. Et c'est ce qui est arrivé. Donc ils sont revenus en arrière. Il y a un bouc qui s'est isolé du groupe et que j'ai pu prélever. Donc là, vous venez de voir le tir du coup du chamois. Donc il est tombé sous le coup de la balle, malheureusement avec les nerfs il a donné des coups de patte. Et ça a suffi pour lui donner assez d'élan pour sauter la petite barre qu'il y avait en dessous. Petite barre qu'on voit un peu là-dessous. Là. Et du coup il est 200 mètres un peu en dessous de là où j'ai tiré. Donc là je suis redescendu à la voiture en courant, je me suis tapé une belle suée. Et je vais essayer d'aller le chercher par-dessus. J'ai vu là où il était, j'ai vu à peu près comment je pouvais essayer de faire. Et j'espère qu'on va pouvoir, enfin dans tous les cas on va aller le récupérer, mais sinon il faut que j'aille chercher la corde, le mousqueton, etc. Tout à la maison. Mais voilà, là ça part en escalade pour essayer d'aller chercher le chamois. Bon, on arrive. Je viens de monter là depuis la route. Là le chamois il est juste... Je pense pas que vous le voyez, mais il est juste là. Fouh, la vache, ça grimpe. Là, il a descendu toute cette barre là-dessus. Donc moi, je pouvais pas descendre dedans, hein. C'était beaucoup trop risqué. Et là, il y a les bouquetins en pagaille. Ils me campent des pierres dessus, là. C'est limite dangereux. Mais bon, déjà, j'ai pas besoin de sortir la corde. Là. Ça passe vraiment bien. Donc c'est déjà positif. Et alors... Ouh. Et te voilà toi. Donc on est... en décembre. Et voilà. Le chamois est enfin dans le coffre. On peut fermer. Plus qu'à aller travailler.
Bon, ben voilà ce qu'il en reste. Une fois dépecé, il ne reste plus qu'à découper, à retirer les bons morceaux de viande.